Attention, Jamie Rockway, attention, interview nulle. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors allons-y, Pierre Palmade, ça tombe sur vous. Vous devez partir dans un vaisseau spatial pendant 3 ans. Est-ce que vous préférez partir avec Elisabeth Tessier, Madame de Fontenay ou Nadine de Rothschild? Elisabeth Tessier est déjà dans les étoiles, donc je vais la trouver. Hein. C'est pas la peine que je l'amène. Qui d'autre? Madame de Fontenay, excusez-moi, Miss France, ou Nadine de Rothschild? Je sais pas, celle que je connais pas, je vais prendre Nadine. Nadine. D'accord. Alors, ouais. Jean-Michel Jarre, si vous aviez le choix, vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou avec un mec très beau? Avec les deux, peut-être. Ou peut-être, oui, peut-être, oui. Enfin, il faut voir. C'est difficile, hein. Ça dépend de la laideur et de la beauté. Ouais. Ça dépend de ce qu'on appelle très laide. C'est très subjectif, la laideur. Non, 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 la fille, elle est moche. Elle est vraiment moche. Elle est quand même très dirigée, ta réponse. Hein. Excuse, t'as quand même très envie qu'ils disent le mec. Hein. Bon, Pierre Palmade, vous êtes dispensé de questions. Je vous remercie. Alors, c'est à vous. Maintenant, le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui. Laurie, attention, Laurie, vous avez expliqué que vous étiez vierge jusqu'au mariage. J'ai rien dit, hein. Ouais. Je rigole. Le mot le plus con en amour, merci. Moi, le plus con, je vais te dire, c'est quelqu'un. Non, mais je dis, c'est quelqu'un qui m'a reconnu pendant les rapports. Allez. Et qui. À qui j'étais rentré, comme j'ai dit, la personne était un peu embrumée, moi aussi, et c'est pendant les rapports, la personne a ouvert les yeux, a fait « Oh, Pierre Palmade !» Et ça m'a un petit peu déstabilisé. Jean-Michel, est-ce que vous savez vous lécher la langue? Ça veut dire quoi? Non, on va essayer à partir d'aujourd'hui, non, mais c'est un bon truc à lancer. Laurie, essaye de vous lécher la langue. Ah, mais si, on peut. On peut. Bien sûr qu'on peut. Ouais, je sais. José, il faut céder du palais, hein. Ouais. Non, pas vous lécher la moustache, José. La langue. Lécher la langue. C'est pas dur, finalement. Non, vous savez vous lécher la langue. C'est un peu con, mais c'est pas dur. C'est ça, le service public. Bien, attention. Palmade, nous sommes seuls. Qui? Tous les deux. Vous et moi. D'accord. Bloqués l'hiver dans un chalet. Il fait très très froid, il y a 3 mètres de neige, on n'a rien à bouffer, je meurs de froid, vous mourrez de faim, vous me mangez, vous commencez par quoi? Demande à José Bové, il va te dire quel... Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans... Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans Ardisson? Le gigot. Voilà. Une bonne tranche de... Un beau cuistot. Un beau cuistot de l'Ardisson. Et vous, Jean? Le bas des oreilles, c'est pas mal. Le lobe des oreilles. Ouais, ça va être doux, ça, pour commencer. Quand on a c'est très faim, pas mal. Non, on commence pas. Non, mais on commence gentiment. C'est quand on baisse. Pour le plaisir. Aïe, aïe, aïe. Ah, celle-là, elle est dure. Hein. Jean-Michel, vous préféreriez être réincarné en slip de François Hollande. Ah, je sais. De François Bayrou ou de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est très, très dur, ça. Très dur. C'est lequel est le plus propre, à ton avis? Choisir dans quel slip vous voulez être réincarné. Parce que vous savez que vous serez réincarné en slip. Je me suicide. Ah ouais, ouais. Ah ouais, j'ai vu un slip qui se suicide. Je me suicide. Ah ouais. Non, mais je me suicide avant de me réincarner. Ah ouais, d'accord. Parce qu'apparemment, quand on se suicide, on n'est pas réincarné. Bon, alors, et vous, Pierre Palmade, vous préféreriez être réincarné en slip de François Hollande, de François Bayrou ou de Nicolas Sarkozy? Ah, comment on peut savoir quel est le plus propre? Je sais pas, moi. Nicolas Sarkozy, c'est celui que je connais. Ouais. Donc il m'envoie. C'est là que François Bayrou, le matin, passe son slip et il fait oh, Pierre Palmade! Bien, alors Jean-Michel Jarre, ça tombe sur vous. D'accord. Vous préféreriez mourir comme Otis Redding dans un crash d'avion, John Lennon. Un shot, à bout portant. Janis Joplin, une Audi, une overdose. Ou comme John Bonham, le batteur de Led Zepp, qui est mort étouffé dans son vomi. Ça, c'est pas une question nulle, sauf le dernier cas, ouais. Je dirais. John Lennon, je prendrais. John Lennon. Ouais, que ce soit rapide. À bout portant. Ouais. Ouais. Et vous? Ouais, enfin, je voudrais pas donner des idées aux gens, mais assassiner, je dis, à crash d'avion, je supporterais pas. Ouais, ouais. Une OD, c'est pas terrible. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi?
Je sais pas, Un quoi Mais non, mais il a la réponse. Dites-la la réponse. C'est marqué, c'est marqué. Il sait tout. Ben vous alors. Un truc flatteur. Un gros god. Virilement flatteur. Ouais. Enfin, un god. Moi je dis virilement flatteur. D'accord. Et là pareil, Bérou. Oh, Pierre Palma. Oh là là. Jean-Michel, vous seriez quoi si vous étiez en vente dans un sex shop? Un mode d'emploi. Oui. Oh ah. La classe. Ah, il a eu le temps d'y penser. Ça tombe sur vous. Vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un œil supplémentaire, un doigt supplémentaire. Ou alors quoi? Un sexe. Bah oui, bah évidemment, un sexe supplémentaire. Deux sexes. Bah oui. Vous en auriez deux. Non, c'est pas mal. Bah oui, un œil, c'est, ça fait un peu monstre, tandis qu'un un sexe supplémentaire, on le sait au dernier. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Mais alors, attendez, Jean-Michel, un sexe d'homme en plus ou un sexe de femme? Ah, bonne question. Allô, Freud. Ça serait pas mal d'avoir un sexe d'homme. C'est pas mal non plus, les deux. Ouais, les deux. Et vous? Moi, j'ai déjà les deux.